Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un haul Amazon spécial broderie. Voilà, j'ai reçu ma commande tout à l'heure, enfin cet après-midi. La Fifi qui vient dire bonjour, elle est contente quand je fais les vidéos en bas. Ma Fifi, viens là, viens maman. Donc oui, désolée, ça bouge un petit peu, mais mon pied n'est pas très stable. Bon. Je me répète, spécial broderie, voilà, parce que j'ai, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai un projet, mais je ne sais pas si je vais le faire, parce que c'est un projet qui va durer plusieurs mois ou années. J'en ai déjà un dans le même style en cours. Donc, c'est un HAED. Pour ceux qui connaissent, ce sont des broderies complètes au point de croix qui sont vraiment très, très, très grandes. Voilà. Avec soit 4, en moyenne 90 couleurs, ou le même dessin, on peut l'avoir avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc moi, celle que j'aimerais faire, je vais vous la montrer. C'est, alors, mon Pattern Keeper, il est là. Pattern Keeper, c'est un logiciel justement qui sert à lire ces broderies-là, mais aussi d'autres. Hein. Alors, hop. Je vais essayer de me remettre sur le dessin. Ouvrir. Afficher. Voilà. Hop, on va l'agrandir un petit peu le dessin pour que vous le voyez bien. Allez, bouge un peu, ma Fifi. Bouge un peu, mon bébé. Mon bébé, il bouge. Voilà. Désolée. Donc, alors, le voici. Non, Fifi, s'il te plaît, merci. Voilà, celle que je voudrais faire. Je la trouve magnifique. Alors, regardez, alors, je vais essayer de vous montrer le détail dans le chapeau. Bon, ça va être un peu pixelisé, là, puisque je vous l'agrandis. Mais, voyez, voilà ce qu'il y a dans le chapeau. Il y a encore des personnages et un paysage de cultivateurs, de champs, voilà. C'est vraiment très, très, très beau. Et là, pareil, sur le côté, toujours dans le chapeau, vous voyez, les dames avec leur parapluie, des dames à vélo dans le fond. Voilà. C'est une création de la créatrice s'appelle Joséphine Wall. Voilà, Sharp Design, je sais plus ce que ça veut dire, mais par Michel Sayeta. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors que c'est une très grande broderie. Qui va mesurer alors je l'ai marqué sur mon cahier de broderie, je l'ai pas pris, attendez. Est-ce que je l'ai marqué? Non, je l'ai pas marqué. Oh, je suis bête. Non, ça c'est pour une autre broderie que j'aimerais faire. Je vais vous le remarquer en dessous. La taille est de alors 408 points sur 609. Voilà, ça fait environ 70, je crois, sur un mètre à peu près, un truc comme ça. Mais bon, je vais vous le remarquer. Donc, c'est vraiment très, très grand. Et niveau couleur, il y a 239 couleurs. Donc, ça va être un truc qui sera magnifique, mais qui va être très, très long à faire.
J'avais déjà commencé moi celui-ci. Alors j'en suis que. Alors attendez que je vous l'ouvre. Aperçu PDF, voilà. Voilà, moi je suis déjà. Ça fait plusieurs mois, mais là ça fait un petit moment que j'ai pas fait dessus. Voilà, celui-ci. Pardon. Et celui-ci est très grand aussi, hein. Il fait 70 de large sur 90 en hauteur. Par contre, celui-ci n'a que 90 couleurs. Voilà. Bah, il y a moins de détails, hein, aussi. Donc, et là, j'en suis. Alors, hop, j'essaye de vous montrer. Moi, j'en suis. Alors, j'ai fait cette petite partie-là et ici, le dessus de la tête. Voilà. Donc, il y a du boulot encore. Beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Les HAED, c'est ça. J'ai le rêve de faire aussi, mais alors, je le ferai jamais. C'est juste un rêve. De faire ce dessin de Albrecht Dürer. Voilà. Tout en noir et blanc. Hop, attention. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce tableau. Je ne sais pas. Mais quand je l'ai vu, j'ai adoré. Donc on verra. Mais bon. Déjà, si j'en ai deux en cours, c'est très bien. Parce que là, je vais en avoir jusqu'à ma retraite. Hein. Même plus, parce que ma retraite ne sera pas dans très longtemps. Donc voilà. Donc comme j'ai ce projet-là et j'ai un autre projet mais qui lui est plus petit. Alors est-ce que je l'ai là sous la main? Non, je n'ai pas bien sûr. Ça aurait été trop facile. Alors je vais vous le montrer en photo. Je ne l'ai plus dans mon Google. La fille super bien organisée, hein, comme d'hab. Celle-ci. Alors là, c'est une Mirabilia. Excuse-moi, Fifi, mais là, j'ai besoin de mon cahier. C'est une Mirabilia. Donc, c'est le The Rose of Sharon, le nom. Le dessin fait 312 sur 188 points. Allez, non, Fifi, allez! Bouge, 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 bouge. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40. 41 couleurs, c'est déjà plus raisonnable. Et niveau toile, en Aïda, il faut, ou en sphile, il faut une toile de 70 sur 50 cm. Voilà. Là, en original, normalement, ils disent de faire sur du lin, mais moi, le lin, je ne sais plus broder dessus à cause de mes petits yeux. Donc, c'était soit de l'Etamine ou soit de l'Aïda. Donc, vous allez voir ce que j'ai choisi, mais je vous dis, je me tâte encore. Est-ce que je commence par le HAED ou si est-ce que je fais celui-là, en sachant que j'ai d'autres broderies en cours. Allez, je vous montre mes petits achats. Alors, d'abord, c'est une petite boîte pour ranger les fils. Voilà, mais là c'est une petite. Alors celle-ci, je vais me remettre son Amazon. Voilà. 150 bobines. Voilà. Vous voyez, c'est une boîte comme ceci. Et les bobines, que j'arrive à en attraper une. Voilà. Une petite bobine, c'est ça, les petites cartonnettes en plastique. Alors j'ai des, il y a des vertes, il y a des transparentes, des roses, des blanches et des bleues. Voilà, je vous montre les couleurs.
Donc j'en ai 150 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 emplacements. Voilà. Mais c'est des emplacements qui, vous voyez, peuvent bouger. Alors, cette petite boîte, je l'ai eue au prix de 13,29 €. Voilà. Et avec, on a, alors attendez, voilà, les petites étiquettes. Donc, une feuille d'étiquette. Qui va du 01 bien sûr au E5200. Voilà. Donc c'est toutes les références DMC. Alors après réflexion, je me suis dit j'aurais dû m'acheter une boîte plus grande. Mais bon, ça y est, je m'en rachèterai une plus tard. Vous comprendrez après pourquoi. Donc ça, c'était mon premier achat. Mon deuxième, de la toile. Alors, je vous dirais, avant d'acheter sur Amazon, j'ai regardé sur Univers Broderie. Bon, il y avait ce que je souhaitais, hein, bien sûr. Bon, les prix ne sont pas les mêmes. Et j'ai regardé aussi la maison du canevas. Alors, maison du canevas, il y a un truc qui m'a pas plu, donc j'ai enlevé ma commande. Parce que sur un article, vous voyez moins 50%. Vous dites, chouette, c'est bien. Mais quand vous mettez dans votre panier, l'article n'est plus qu'à 30%. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas dit je vais téléphoner ou quoi que ce soit. J'ai fermé la page et puis c'était tout. Voilà. Donc faites attention à ça quand vous êtes sur Maison du Canevas. C'est pas la première fois que ça m'arrive hein, en plus. Donc la première fois, je me suis fait avoir. La deuxième fois, non. Et là, je vois que la troisième fois, c'est toujours pareil. Donc, faites attention quand vous commandez sur Maison du Canevas, vérifiez bien les prix dans votre panier et les réductions. Alors, j'ai pris une toile comme ceci. Alors, c'est une toile Aïda classique, 14 fils, qui fait 1,50 m sur 1 mètre. Voilà. Bon, par contre, elle est rigide. Hein. Et bon, c'est de l'Aïda. Hein. Alors, c'est de la blanche. Alors, je ne vais pas savoir tout déplier, hein, mais voilà, ouais. Et encore, hein, il y a vraiment de quoi faire. Alors, je vais essayer de vous montrer la trame de plus près. Je replie mon. Bon, j'arrive plus à le replier. Si, ça y est. Alors, voilà la trame. C'est donc, il y a 5 points au centimètre. C'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. Donc là, ils disent une 14 fils. Là, j'ai 1,50 m sur 1 mètre. Donc, j'ai de quoi faire. Et je l'ai eu au prix de 22,99 €. Et bien sûr, on a les bobines, on a les toiles, on a la toile. Et bon, je sais, j'en ai déjà. J'ai de la petite réserve, j'ai la réserve DMC, j'ai de la réserve Action. J'ai encore des autres films, je ne sais plus la marque. Fifi, s'il te plaît. Non, mon bébé. Et là, donc, il n'y a pas de marque particulière, je ne pense pas. Fifi. Arrête. Mais pleurer. Ta-da! Ta-da! Ta-da!
Oui, je suis folle. Mais bon, si je veux faire mon achat ED, bon, j'aurai pas assez. Parce que là, il y a une échevette de chaque. Et dans mon achat ED, on me demande deux échevettes de chaque. Voilà. Donc, il faudrait que je rachète encore un lot comme ça. Alors, j'ai pris ça parce que c'est pareil. Les échevettes DMC, bon, j'adore hein, les DMC, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme tout, ça a augmenté. Il y a quoi? 1 €, je les ai vus, alors 1,29 € je crois, et il y a 1,50 €, je ne sais plus où. Fifi, s'il te plaît. Donc, il m'en faut, je viens de vous dire, 41. Donc, vous faites 41 à 1,50 €, ben, hein, ça vous fait déjà plus de 50 €. Hein, on est à, je ne sais plus calculer, mais 40 €. Ouais, ça fait 60 €. Ouais, ça fait dans les 60 € pour avoir 41 échevettes. Là, hein, je vous parle pour le Mirabilia. Je ne vous dis pas. Alors, ce serait pour le HAED. Vous faites le compte. Il y en a 239. Donc, 230. On va dire, bon, on va arrondir. 240, c'est plus facile pour calculer. 240. Je rajoute 120. Ça me ferait 360 €. Ce serait le gros projet que j'aurais intérêt de finir à ce prix-là. Donc, j'ai pris un gros lot comme ça. Et dedans, il y a 447 couleurs. Donc, les 447 couleurs. Normalement, je pense qu'elles y sont toutes. Alors, je vous montre. Voilà. Bon, je ne vais pas vous les déballer hein, pour vous les montrer une par une, hein, ce serait plutôt embêtant. Mais on va déjà pouvoir en voir. Voilà. Là, regardez ici les violets. Là, les verts. Voyez. Il y en a encore hein, dans les autres, hein, les verts. Les marrons. Regardez les oranges là. Là, vous voyez. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 étages. Ici, pareil. Regardez ces bleus. Ils sont beaux. Donc pareil. Et le troisième paquet. C'est jaune, c'est orange, c'est vert. Alors ça, si je veux les mettre sur les bobinettes, je vais m'amuser. Mais bon, je verrai. Pour le moment, ça va rester comme ça. Je verrai après par la suite comment je vais me débrouiller pour ranger tout ça. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a une petite différence avec des échevettes DMC. Alors, j'ai ma boîte de mon achat ED. Là, ce n'est que du DMC. Voilà, ça, ce sont tous mes fils pour le achat ED, le perroquet. Alors, je vais essayer de voir si, en ouvrant un paquet, ici, j'ai le 666. Je n'ai pas fait exprès, c'est le numéro du diable. Oh, bah écoutez. Alors, ça, c'est le DMC. Que demande le peuple? C'est... Ouais, c'est pareil. Bon, il y a la lumière hein, qui... Mais... Donc, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais essayer d'en prendre un autre pour voir.
Je le remets tout de suite à sa place, parce que quand je vais vouloir les ranger après, voilà, le DMC est un peu plus foncé, voici, bien ça, 155, ouais. Donc là, j'ai une petite différence. Mais c'est pas... faut pas les broder ensemble. Faut pas faire un DMC et broder celui-là en même temps, sur le même ouvrage. Et voilà, celle de chez Amazon. Bah, écoutez... hein? C'est presque kiff kiff et bourricot. Non, mais je suis agréablement surprise de voir qu'il n'y a pas il n'y a pas de réelle différence. C'est presque pareil. Donc je suis contente. Et en plus, niveau qualité, ben alors, ils sont super doux. Ils sont très doux. Alors, niveau nettoyage, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, mais bon, je ne vais pas essayer. Ils disent qu'on peut les laver jusqu'à 95 degrés. Mais bon, de toute façon, une toile, on ne va pas la laver à cette température-là. Hein. Alors, chaque fil mesure 8 mètres, donc, comme les DMC, avec 6 fils. Le fil à broder est... ah, c'est du coton polyester. Voilà. Coton polyester. Il ne se décolore pas, il ne rétrécit pas. Garantie de qualité 100%. Il y a une garantie de satisfaction à 100% donc, sur cet article. Donc, c'est bien parce qu'ils disent qu'on peut le renvoyer. Soit pour le remplacement ou pour être remboursé si on n'est pas satisfait du produit. Donc, tout va bien. Voilà. Bah écoutez, je suis contente. Mais je ne vous savais pas le prix. Alors, je vous ai donné les prix de mes deux ouvrages que j'aimerais faire. Donc, le Mirabilia, sans compter la toile, j'en aurai pour une 60aine d'euros de fil pour 41, pour 41 échevettes. Donc, une 60aine d'euros. Pour mon HAED que j'aimerais faire, donc 239 couleurs, on a calculé que ça fait environ dans les 360 euros pour les fils uniquement. Voilà. Alors, celle-ci, par contre, pour 447 échevettes, 32,99 €. Que demande le peuple? C'est vraiment nickel. Je vous le dis, ils ont l'air de très bonne qualité. Très doux. Les couleurs sont très belles. Elles ne sont pas passées ni rien. Hein. Elles sont bien pétantes. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien. L'échevette, ici, voilà. L'échevette de chez Amazon, elle me revient à 8 centimes. Voilà, 8 centimes. DMC, 1,50 €. Donc, le calcul est vite fait. Hein. Je sais que DMC, c'est une société française. Bon, qui est toujours un peu sur le fil, malheureusement, c'est le cas de le dire. Ils ont été rachetés par des Anglais, je crois, oui, par une boîte anglaise, mais ils sont toujours en France. Mais bon, les prix n'ont pas baissé. Vous allez me dire, la qualité est là, oui, la qualité est là, mais c'est bien pour les petits ouvrages, voilà. Pour des gros, très gros ouvrages, c'est impossible de faire du DMC à moins d'être riche. Voilà. Et puis là, bon, c'est juste une passion, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas du professionnel hein, qu'on fait. Donc voilà, bon, j'ai fait beaucoup de blabla, mais je voulais voir avec vous justement la différence qu'il y a. Là, pour mon perroquet, c'est vrai qu'à l'époque quand je l'ai acheté, c'était l'année dernière,
J'ai pas pensé au fil sur Amazon ni rien. J'ai pris directement du DMC. Et là, dans la boîte, il y en a pour. Combien j'avais acheté? Ouais, donc 120 ou 130 euros là-dedans. Et j'avais pas compté la toile. Hein. Donc, bon, 130 euros de fil pour faire une broderie. Bah écoutez, moi je suis très contente de mes fils. Bon, maintenant il va falloir que, alors, que je me décide de savoir quel ouvrage je fais. Si je fais le Mirabilia, qui est d'une taille raisonnable, normale, ou si je fais, si j'attaque le nouvel HAED, qui là, lui, va me durer longtemps. Voilà. Mais bon, on verra. On en reparlera. Je vous dirai ce que j'ai décidé. Et puis après, vous verrez au fur et à mesure. Bon, là, c'est bien sûr, c'est du point compté. Hein. Ce n'est pas de l'estampé. Donc, le point compté, déjà, c'est plus long. Donc, voilà. Bah, écoutez, ce que je vous ai montré. Donc, les 447 échevettes. Voilà. La toile Aïda et donc la boîte pour ranger des fils qui là bien sûr est beaucoup trop petite par rapport à ce que j'ai acheté en fil mais elle va me servir pour d'autres fils certainement voilà bah, je crois que je vous ai tout dit voilà oh là là, je vous fais bouger je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Alors, je vous remets en barre d'infos le lien de ces trois articles que je vous ai présentés. N'hésitez pas à les voir. Puis, bah, pareil, hein, n'hésitez pas aussi pour les fils, si ça vous intéresse. Je vous dis, allez-y, parce que vaut mieux acheter la série complète comme ça, pour le prix. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.